à Felice Bauer, Prague, le 6 novembre 1912. Chère mademoiselle Felice, mais on vous déchire sous mes yeux. N'avez-vous pas affaire à trop de gens inutilement nombreux? Il n'y aurait certes pas de mal si vous aviez plus de temps. Ne faites-vous pas beaucoup de travaux, de visites? N'allez-vous pas à certains divertissements auxquels on ne gagne rien, sinon de l'inquiétude? Je suis là un peu magistrale, sans trop savoir ce qui se passe ni le comprendre, mais votre dernière lettre est si nerveuse qu'on en éprouve le besoin de tenir votre main pendant un instant. Par là, je ne dis rien contre des détails, rien contre les choses séduisantes chez le professeur, même si j'ai écarquillé les yeux à propos de l'eau et du gaz. Et je n'ai rien contre la fête de la fondation, d'autant plus qu'on fait souvent dans ce genre de fête des photos de groupe qu'on peut facilement offrir sans offrir explicitement sa propre photographie. Et cela peut être une très grande joie pour des étrangers, si on le désire. À propos du théâtre yiddish, je n'en ai certainement pas parlé ironiquement, j'ai peut-être ri, mais cela fait partie de l'amour. J'ai même, devant une multitude de gens, je m'en souviens à présent, fait un petit discours de présentation, et Louis a ensuite joué, chanté et récité. Malheureusement, l'argent qui a été tiré de cette multitude n'était proportionnellement pas vraiment incalculable. Les représentations berlinoises, je n'en sais pas plus que ce que j'en ai écrit hier. Par ailleurs, la dernière lettre de Louis ne contient que des plaintes et des lamentations. En plus, il se plaint aussi de ne rien gagner les jours de semaine à Berlin, un reproche que je ne peux pas cacher à la berlinoise. Du reste, elle est, quand on le laisse faire, simplement un homme d'un enthousiasme quasiment ininterrompu, un juif chaud, comme on dit à l'Est. Toutefois, pour diverses raisons qu'il serait trop long, mais pas ennuyeux de raconter, il est maintenant insondablement malheureux. Et le plus grave, c'est que je ne sais pas du tout comment on pourrait lui venir en aide. Mon attente dominicale de votre lettre est facile à expliquer. Je suis allée voir au bureau, mais à ce moment-là, je n'étais pas encore proprement déçue et j'ai feuilleté dans le courrier disponible, sans attente, mais juste plongée dans mes pensées. L'adresse de mon logement est Niklasstrasse 36. Mais quelle est donc la vôtre? J'ai déjà lu au dos de vos lettres trois adresses différentes. Est-ce bien le numéro 29? N'est-il pas pénible pour vous de recevoir des lettres recommandées? Je ne les envoie pas seulement par nervosité, même si accessoirement il y a de cela, mais j'ai l'impression que ce genre de lettres arrive plus directement dans votre main et pas dans la négligente navette des lettres simples qui errent tristement. Et j'y vois toujours la main tendue d'un robuste facteur berlinois qui, en cas de besoin, vous forcerait à prendre votre lettre, même à votre corps défendant. On n'a jamais assez de complices quand on est dépendant. Portez-vous bien. Je suis fière que dans cette lettre, il n'y ait aucune plainte, si beau soit-il de se plaindre à vous. Votre Franz.